Abdili Abslam. Je suis responsable visuel marketing manager de la société Celio. J'avais 21 ans quand j'ai commencé dans la société. Ben, j'ai commencé en même temps que l'entreprise. C'était à l'ouverture du premier magasin Celio qui se trouvait à City 2. Et j'ai commencé comme vendeur étalagiste. J'ai travaillé sur les 3 premières années sur la France et en Belgique, mais d'une manière très restreinte parce qu'il n'y avait qu'un seul magasin. Alors donc j'ai fait ma fonction d'étalagiste et puis je suis devenu visuel, donc c'est l'étalage et puis j'ai commencé avec tout ce qui était animation visuelle, communication. Et puis 5 ans plus tard, j'ai créé le service merchandiser ici en Belgique parce qu'il existait à Paris. Et au bout de 8 ans, on a pris notre autonomie totale. Et c'est là où j'ai mis en place le service et le département visuel merchandiser et toutes les stratégies commerçantes et, de merchandising, d'étalage, de communication, en les mettant en place moi-même et mon équipe à partir de ce moment-là. Et puis là, donc, on a grandi, j'ai grandi avec l'entreprise. On est passé de 2, 3, 4, 5 et puis 15 et aujourd'hui on est à plus de 30 magasins. Mon activité, c'est tout simple et compliqué en même temps. C'est de pouvoir mettre en valeur un produit, qui est notre collection Celio, l'embellir et lui donner une visibilité la plus importante possible, de telle manière qu'on puisse la vendre dans les meilleures conditions. Donc, le marketing en lui-même, la faculté du marketing, c'est de pouvoir vendre n'importe quel produit en l'embellissant de la meilleure manière. Donc, pour moi, c'est ça, en gros. C'est très enrichissant de savoir comment un client peut se comporter face à un produit et comment il peut se comporter face à un autre produit. Pourquoi un produit marche d'une manière et ne marche pas d'une autre manière. C'est bourré de challenges de jour en jour. Et le challenge, c'est quelque chose qui me motive et qui me donne envie tous les jours. Dans mon évolution, j'étais confronté au premier obstacle, c'est que à l'âge de 23 ans, j'étais déjà avec un statut, avec des responsabilités que je devais gérer une équipe de managers, que moi j'avais 23 ans et eux ils avaient entre 35 et 40 ans. Donc se faire respecter, écouter par un jeune homme de 23 ans, et des managers qui ont 15 ans ou voire plus d'expérience que moi, ça c'était le premier obstacle. Donc il fallait vraiment que je sois crédible dans ce que je fais, dans ce que je dis. Et j'avais surtout pas droit à l'erreur. Donc si c'est déjà arrivé qu'il pouvait y avoir des couacs, forcément les managers qui étaient sous ma direction essayaient de me compliquer ma tâche vis-à-vis d'eux. Dieu merci, c'est la force mentale et puis bien sûr les compétences, cette volonté de dire ok, quoi qu'il arrive, on va y arriver. Et surtout, je pense que ce qui fait réussir dans ce genre de confrontation, c'est de savoir travailler avec le respect des gens avec qui tu travailles. Avec Abdes, l'âme, c'est une collaboration qui a commencé il y a aussi une quinzaine d'années. En fait, je l'ai rencontré un petit peu par hasard. Je faisais au début de ma carrière de la communication pour différents petits clients. Un ami, en fait, pour lequel j'avais fait des cartes de visite et des petits travaux imprimés, m'a un jour rappelé et m'a dit, voilà, j'ai un ami qui cherche quelqu'un de compétent pour l'assister dans son travail. Et on a fait une réunion ensemble et on a commencé à travailler pour des petites choses. Bon an, mal an, les choses ont évolué. Il est très exigeant pour tenir des délais. Je crois que c'est l'essentiel de sa demande pour le travail que je lui fournis.
C'est de surtout ne jamais être en retard sur une production. Et en dehors de ça, on a une relation qui est plus que cordiale et même amicale avec les années. Bah, écoute, Abdès, parce qu'on se tutoie depuis toutes ces années, je suis ravi de t'avoir rencontré il y a plus de 15 ans. Et effectivement, comme tu le dis, tu as permis grandement à l'évolution de mon activité. Je t'en remercie et je souhaite qu'on puisse continuer longuement voilà, nos échanges. Je suis prêt et j'ai utilisé mes compétences.